Yo yo, t'es sur Brutmer Magazine et c'est le 20K quoi. That boy is Benny Hanna. Quand on arrive, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ils font les fous, mais vont-ils faire quelque chose? Pull up dans la zone, on a toujours bien fait les choses. Même en hiver, si on déboule gros c'est chaud. Hey, c'est noir, hey, c'est noir. Hey yo, moi c'est Zouch, membre du 20H Core depuis le début. Tout ce que je ne connais pas, j'ai toujours ma place sur le canapé. Tes plans carrés ne valent pas un rond, tu cherches des pièces dans le canapé. Aquarium rempli que des gros poissons. Et t'as sorti la canne à pêche, je me cure les dents avec ton hameçon. Je lèche les couvertures, lèche mon assiette à chaque bas. On a commencé à deux, puis des frangins se sont rajoutés petit à petit. En fonction du talent, en fonction des textes qu'ils avaient. Et voilà, au final, ça a donné le 20H quoi. Lix et Talibu, c'est mes amis d'enfance. T'as voulu nous ken, on t'a fait des enfants. On arrive en équipe, j'ai seul de malade, même à 100 km. Tu me vois, fais pas semblant. Shams, Gary, Salama, LS, chez nous, des vrais bonhommes. Chez toi, bonhomme de neige. Fais pas la malade, non, toi, t'es pas fêlé. Si t'insultes la daronne, tu passes par la fenêtre. J'aime la Loli, Lolanto plus que l'école. Et après deux sons, j'ai rencontré Valycéenne. Elle me trouve très sympa, je les trouve très mignonnes. On fait pas des devoirs, on fait des galipettes, noires comme elle. 20H quoi, de base, c'est un groupe de potes. C'est un groupe de potes, avant la musique, on a décidé de se mettre au rap. Il y a 5-6 ans, on rappait dans une cave. On s'amusait à gratter des textes. Jusqu'à un jour, on s'est dit qu'on allait faire un groupe. Et voilà. Et comme on s'est connus au quartier, au square, tout ça, on a donné 1020 pour la Ken. 20 TH Square, le square. Ouais, on s'est connus dehors, hein, au parc, au square, dans notre quartier. Et voilà, on a grandi ensemble, ça fait maintenant quelques années, on marche ensemble. Personnellement, moi j'ai 21 ans, comme à peu près tout le monde dans le groupe. À part la musique, ouais, on a chacun un truc à faire à côté. D'autres étudient encore, il y en a qui travaillent déjà. D'autres font les deux, et voilà, chacun a son occupation. Sinon, il y en a qui sont vraiment, oui, dans la musique. Hey. J'ai baissé le bitch, ils aiment pas d'amour. No. Elle a le cœur brisé à cause de gars comme Assoir. L'hiver approche, demain c'est trop tard. White, la coke, elle baisse comme une rockstar. White, ensemble Givenchy. Cœur sur mes converses. Des yeux sur mon Fendi. Yeah, hold up. Alors, moi c'est Oncho du 21 Square. Oncho en fait, ça vient du groupe Migos de Quavo. Vu que, bon, c'est mes influences en ce moment, depuis quelques années. Ouais. Franchement, on n'a pas de style en particulier. Comme on dit toujours, on est des caméléons, on fait de tout. Tu peux retrouver sur la dancehall, sur de la trap, sur de l'afro-trap, vraiment tout style de musique. Et donc voilà, on fait vraiment de tout. On a un groupe pas spécialement sur du rap ou... tu vois. On est vraiment polyvalent, on est vraiment des caméléons. On tape sur tout ce qu'on aime, une instru qui nous plaît, que ce soit du zouk, que ce soit n'importe, on va la taper et puis voilà. C'est pas forcément un choix, hein. Je pense aussi que c'est naturel. Parce que on n'a pas besoin de rapper bien en fait, c'est pas dire des gros mots, des insultes ou... Mais après il y en a peut-être dans une ou deux dans un texte, tu peux retrouver. Mais c'est pas ça la base du rap. C'est d'abord des belles phrases constructives, des punchlines. Des choses qui frappent, hein. Moi, quand j'étais petit, j'écoutais vraiment beaucoup de 50 Cent, comme à peu près tout le monde. Rap français aussi. Mais vraiment, moi, mon influence est tournée dans le rap américain. C'est vraiment Migos, Lil Uzi Vert, Famous Dex, toute cette nouvelle génération de rap américain avec un délire assez particulier, qui se démarque des gens, etc. Moi, c'est vraiment ça mon délire, ne pas faire comme tout le monde. Et à démarquer, et avoir son propre style. Moi, c'est beaucoup de rap français, mais à l'ancienne. J'écoutais Mafia Kinfri, Ideal J. Ça, c'est mes grands frères qui écoutaient, donc ça tournait dans mes oreilles. Puis après, comme tous les jeunes de mon âge, hein, Section d'Assaut, Rof, Booba. Ouais, hein, plus qu'avant. Ouais, plus qu'avant. Ça fait plaisir. Au début, il n'y a rien, et puis il y a des gens qui demandent des photos, des gens qui sont contents de nous voir, des gens qui nous reconnaissent dans la rue, qui disent bonjour. Hein. Pff, ça va, hein. Ça va. Toujours ouais.
Vous avez vu la question à lui là-bas. Il veut pas dire. Beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, c'est moins difficile. Non, je rigole, c'est toujours pareil. Non, on fait semblant. On fait semblant, c'est mieux. Ouais, bien sûr, on a déjà. Allez, pas discuter, mais on a déjà imaginé ouais, des choses. Et ouais, tout reste dans le projet, en fait. Ah ouais, moi je leur mets une carotte, moi. Moi je me barre. Moi je me barre. Non, je rigole. Non, ben. Je sais pas. Faut voir ce qui est avantageux pour nous. Tu peux peut-être faire de la musique tout seul et pas marcher, ou bien faire en groupe et pas marcher. Peut-être tu devais aller en solo pour plus te découvrir, pour plus. Je sais pas. Mais nous, ensemble, on fonctionne bien, donc. On continue ensemble. Bon, à la base, on est des amis. Et. On a toujours tout fait ensemble, les délires, s'amuser, etc. Et réussir ensemble, avoir notre argent ensemble, vivre cette vie-là qu'on espère vivre plus tard ensemble. Il n'y a rien de mieux. Hein. Et franchement, si le groupe devait venir à se séparer, ce serait une décision qu'on aurait prise ensemble et pas des conflits, etc. Toujours ensemble. Parce qu'à la base, voilà, on est des frères. Et l'amitié passe avant la musique. Donc voilà. Mais j'espère qu'on fera toujours tout ensemble et voilà. On est deux sur le son, l'impression qu'on est mille. Je vais chercher du pain, tu nous vois, t'es ému. Pour rapper comme nous, il faut que tu nous copies. On met des rafales, on veut pas être connu. Non, je découpe tel un katana à l'ami. Range ton tel comme on dit ABX. Je compte m'arrêter, mais bon, pas de panique. Pour vous servir, Yazuchini. Non, non, ma gueule, ça vient pas de Paris. À l'école, je lui fais croire que je suis qu'Atari. Je fais du sale à longueur de journée. Comment veux-tu que j'aille au paradis? Il y a du Congo, il y a du Maroc, il y a de la Guinée. Le rapport avec l'Afrique, moi, je suis du Congo, Kinshasa, 243. Et voilà, moi, Congo, c'est ma fratrie, hein. C'est mon pays. Je suis très fier de le représenter. Malgré tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment triste, on n'en parle pas assez, mais voilà, fier d'être Congolais. Au top, hein. Comme tout le monde. Ça veut dire peut-être vivre de ça un jour, faire des concerts. Rencontrer des gens à travers le monde, faire des tournées. Pourquoi pas? Pourquoi pas nous? Il est très fort. Il a une imagination de fou. Il est vraiment chaud. Franchement, j'aimerais dans sa tête quelques minutes pour savoir ce qui se passe, parce que les phrases qui nous sortent les textes qui nous sortent dans ses sons, c'est... Il est vraiment chaud. 20th Square, encore beaucoup de choses à dire. Il faut suivre la page. N'hésitez pas à partager, à cliquer, à en parler autour de vous. C'est ce qui manque à Bruxelles, le partage et le suivi de l'autre. Il y a eu du travail, il y a eu de l'amélioration entre-temps. Et voilà, il faut suivre. Feu. Yo, yo, c'est BSR du 20th Square. T'es sur Bruckmer Magazine. Bouge pas, il y a beaucoup d'exclusivités qui arrivent.